Hello and a warm welcome to this week's edition of Africa Today. It's a special edition because we're having an exclusive interview with Roland Lumumba, the son of the assassinated leader of the Democratic Republic of Congo. Roland Lumumba is in Tehran to attend a special session held to honor his late dad. Let's attend the session first before the interview. As you can see, we are inside the conference hall where a special session is being held to honor the late Patrice Lumumba. His son, Roland Lumumba, is answering questions from the participants. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Presse TV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir ici à Téhéran Monsieur Roland Lumumba. Monsieur Lumumba, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Monsieur Lumumba, vous êtes président de la Fondation Patrice Lumumba en RDC. Pourriez-vous nous expliquer qui a été Patrice Lumumba et pourquoi il a été assassiné par les forces colonialistes? Patrice Lumumba fut le premier ministre du Congo à l'accession à l'indépendance. Il a milité pour l'accession à cette indépendance, lui et beaucoup d'autres compagnons. Il a combattu pour la liberté, il a combattu pour le bien-être de sa population. Il était en avance dans sa pensée et sa vision qu'il était un danger pour les colons qui voulaient nous donner l'indépendance et les reprendre de l'autre main. Et il considérait avec Lumumba, ça ne serait pas facile. Donc, ça a été décidé, son assassinat. Et ça s'est fait le 17 janvier 1961. Merci, M. Lumumba. Ma deuxième question, c'est en fait, je voudrais vous demander qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui, ce héros de la RDC pour le peuple congolais en particulier et en général pour les peuples africains? Pour le peuple congolais, c'est une référence du nationalisme, c'est une référence du sacrifice, parce que nous savons qu'en étudiant notre histoire, Lumumba fut précurseur dans beaucoup de choses, dans l'amour du prochain, dans l'amour de la nation. Il aurait pu fuir, échapper son destin, mais il a refusé. Donc, pour les Congolais, il a beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Merci. En fait, vous avez évoqué l'assassinat de ce héros de la RDC, Patrice Lumumba. On sait que l'armée belge et l'État belge étaient impliqués dans cette affaire. Et en fait, apparemment, vous et votre famille, vous avez en fait lancé une procédure judiciaire contre la Belgique. Est-ce que vous croyez que la reconnaissance par la Belgique, la reconnaissance de sa responsabilité morale dans cette affaire, est-ce que cette reconnaissance elle est suffisante pour vous? Et sinon, qu'est-ce que vous exigez de plus, M. Lumumba? Effectivement, la Belgique a reconnu sa responsabilité après l'enquête parlementaire qui a été lancée en Belgique dans les années 2001. Ils ont reconnu qu'ils étaient impliqués dans l'assassinat du Premier ministre Lumumba. Et ils ont présenté leurs excuses à la famille Lumumba. Qu'est-ce que nous exigeons? Nous exigeons aujourd'hui aussi de connaître, en dehors de reconnaître cette responsabilité, de savoir le contour de cette histoire. Ils étaient impliqués, mais ils étaient impliqués comment? Qui étaient les exécutants locaux? Il y a une partie reconnaissance historique pour nous, pour nos enfants,
pour l'histoire du continent, Lumumba lui-même disait que l'histoire de notre pays, notre continent, il ne s'écrira pas à Bruxelles, Paris ou Washington, il s'écrira sur le sol congolais et par des Africains, et ce sera une histoire pleine de gloire. Donc il faut nous aider à réécrire notre histoire. Merci infiniment, M. Lumumba, pour vos éclairages. Et j'aurais également une toute dernière question concernant, en fait, le panafricanisme. Ce concept est largement apprécié ici en Iran et ailleurs dans les autres pays musulmans. Pouvez-vous nous définir le panafricanisme et est-ce que vous pouvez également expliquer quelle est la portée de cette pensée auprès de la jeunesse africaine aujourd'hui? Le panafricanisme, c'est un peu la solidarité entre le peuple d'Afrique, la solidarité entre gouvernements, la solidarité entre peuples. Ceux qui ont commencé ce mouvement, c'était les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les Nasser et autres, qu'à un moment donné, ils prenaient pour les États-Unis d'Afrique et ils travaillaient dans ce sens. Et ils disaient l'indépendance d'un pays ou d'un autre, il n'est pas valable tant que le continent africain entier n'est pas débarrassé de la colonisation. Donc cette phase en est arrivée, mais il faut aller vers l'au-delà, vers une solidarité active, vers la suppression des visas, vers une grande solidarité entre le peuple pour aussi peser, imposer qu'on ait le droit de veto, imposer qu'il n'y ait pas ce genre de cours comme les cours de ces pays qui est destiné seulement à nos dirigeants. Plus on est nombreux, plus on va pouvoir imposer notre volonté. Merci infiniment, Monsieur Lumumba, de m'avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Merci. This year, we are marking 60 years since the assassination of Patrice Lumumba, the first democratically elected prime minister of the Democratic Republic of Congo. He was assassinated just after his country gained independence from Belgium. Now, many Africans believe that he was assassinated by America's Central Intelligence Agency, CIA. Eh bien, bonjour, Monsieur bonjour. Roland Lumumba. Merci de nous accorder cette deuxième partie de l'interview, donc pour Presse TV. Vous avez évoqué tout à l'heure avec mon collègue donc l'affaire de M. Muammar Kadhafi, l'ex-président libyen qui a été sauvagement assassiné donc par l'OTAN. Et on a un petit peu l'impression, enfin on voudrait demander votre avis en tout cas, est-ce qu'il y a des points en commun entre votre défunt père, père à son âme, Patrice Lumumba, et Muammar Kadhafi, dans les idées en tout cas? Dans les idées, on peut reprocher à président Kadhafi certaines choses, mais on ne va pas lui reprocher d'avoir aimé son peuple, d'avoir travaillé sur le bien-être de son peuple. Donc ça, c'est un trait commun avec Patrice Lumumba, qui était un privilégié du régime à l'époque. Pour ceux qui ne connaissaient pas le Congo de l'époque, le colonisateur a essayé de prendre une couche de la population congolaise et les mettre au-dessus des autres Congolais. Il les a appelés les évolués. Et ces évolués-là, ils avaient une carte, ils étaient immatriculés, et
ils avaient tous les privilèges du colon ou de l'homme blanc. Ça veut dire leurs enfants fréquentaient les écoles des Belges, ils achetaient leurs histoires dans les magasins des Blancs. Ils pouvaient habiter au centre-ville qui était réservé uniquement aux Blancs. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'apartheid a commencé au Congo avant l'Afrique du Sud. À Kinshasa, si un Congolais s'est baladé au centre-ville après 18 heures, s'il n'avait pas une autorisation de son patron blanc, il allait en prison. Donc, Lumumba fut un évolué. Il a pu acheter en 1958 une maison au centre-ville, là où il était privilégié du système. Mais malgré ça, il ne s'est pas contenté de ce privilège. Il est allé à l'encontre, combattre ces blancs-là en faveur de la population, les opprimés. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que sa mémoire fait le tour du monde. C'est honorable ce qu'il a fait. Mais passons un petit peu vous parlez de cette époque où il y avait donc l'apartheid qui avait commencé avant l'Afrique du Sud, donc en RDC. Mais si on avance un petit peu après les indépendances en Afrique, qui étaient aux alentours dans les années 60, plus ou moins, il y avait énormément d'assassinats, des coups d'État et des déstabilisations en tout genre, en fait, des pays africains pour le compte, justement, de l'Occident, on va dire. Là, actuellement, cette année, on voit qu'il y a de nouveau cette vague qui revient sur le continent africain. Je pense d'ailleurs, par exemple, au Mali, en Guinée, surtout Alpha Condé qui a été écarté récemment. Je pense donc au Soudan, d'Omar el-Béchir, et ainsi de suite. Que pensez-vous, en fait? On a l'impression, c'est là où je veux en venir, dans le panafricanisme aujourd'hui, qui est pur et dur, ne manquerait-il pas un petit quelque chose pour barrer la route à ce genre d'ingérence? Ce qui est vrai que sont deux époques différentes. Aux années 60, avant l'indépendance, l'ennemi était clairement identifié. Il y avait une ligne de démarcation simple. Quand vous étiez avec la population, vous pouvez dire, vous voyez, ton ennemi, c'est les Blancs qui est en face. C'était facile. Mais après l'indépendance, l'ennemi s'est transformé. Il a trouvé une des meilleures façons d'exploiter la population, c'est de prendre quelques-uns parmi eux comme agents. Et ces gens-là vont faire le travail pour cet Occident. Donc, les stratégies ont changé. Aujourd'hui, on peut pas avoir des ministres blancs dans un gouvernement africain, on peut pas avoir de conseillers. Donc, ce travail a été changé. Ce panafricanisme qu'on parle, il faut aussi qu'il s'adapte par rapport aux nouvelles donnes. Maintenant, je ne peux pas parler. C'est de cas par cas. Est-ce que les pays que vous citez, est-ce que c'est dans le cadre du panafricanisme qu'ils ont été tombés ou bien dans le cadre de mauvaise gestion et autres? Je n'en sais rien, mais je sais que la stratégie a beaucoup évolué. Très bien. Et cette politique donc occidentale, vous savez, on voit énormément d'ingérence en provenance d'Europe et même des États-Unis en Afrique. Ils veulent absolument imposer la démocratie, et pas seulement en Afrique, à travers le monde d'ailleurs. Cette démocratie est-elle vraiment si idéale que ça, qu'ils le prétendent, selon vous? Je ne crois pas que cette démocratie, c'est une démocratie occidentale. Mais entre-temps, on n'a pas trouvé
un autre modèle, mieux pour l'instant, mais même cette démocratie, il faut la corriger un peu plus ou moins, l'adapter à nos réalités. Beaucoup des soi-disant de protection de la démocratie et les droits de l'homme, ainsi de suite, c'est fait à dessein pour protéger leurs intérêts et ils essayent de l'habiller d'une façon un peu courtoise et polie, mais beaucoup de fois, c'est pour écarter quelqu'un ou ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux Africains qui avaient énormément de privilèges, qui étaient entièrement donc, dans le cercle, donc on va dire, occidental, aussi bien au niveau de l'éducation que de leurs loisirs, que de leur vie au quotidien. Vous avez dit qu'actuellement, enfin à l'époque, l'homme blanc était considéré comme l'ennemi. Maintenant, vous voulez dire que l'homme blanc s'est caché derrière ces personnes, en deux mots. Derrière ces fameux Africains que certains appellent, pardonnez-moi le terme, Bounty, on va dire. Oui. Moi, ce que je parlais, c'est que je parlais d'une catégorie bien identifiée qui était au Congo, les évolués. Mais ça continuait sans avoir un statut, comme c'était le cas au Congo. Comme vous dites, les Bounty, hein, entre guillemets, on commence même dans les ex-colonies françaises. Ça fait parmi les injures, on peut trouver ça injurieux. Regardez, il ne sait même pas parler le français. Comme si c'était un signe d'intelligence de parler une langue étrangère, parce que jusqu'à la preuve du contraire, c'est une langue étrangère. Donc, on nous a inculqué que plus tu es comme le colonisateur, plus tu es tenu en considération, tu vas avoir la promotion, et effectivement, il y a cette classe qui nous a rendu pas mal de mauvais services. Donc, il faut réactualiser, les tropicaliser même cette classe pour le mieux-être du continent. Et est-ce que ça devrait aussi s'appliquer aux armées nationaux sur le continent? Alors, je vous explique pourquoi. Parce que cette idéologie que vous dites, qui a été inculquée, on a l'impression que ça continue encore et qu'on est tout le temps, les médias occidentaux en tout cas, essayent de faire passer les armées nationaux en Afrique pour des armées, disons, qui ont besoin d'une assistance et que tout seuls, ils ne peuvent pas, en fait, se débrouiller tout seuls. Pourtant, la RDC a une armée assez forte, les FATC. Et on a cette impression-là où on veut absolument faire passer donc, cette armée pour une armée, entre guillemets, d'assister, on va dire. Ils doivent être assistés, ils doivent être menés, soit par les Américains, actuellement, récemment, selon l'actualité. C'est plus par les Américains qui sont en fait. D'autant, que pensez-vous de cette fameuse inculcation, comme vous le dites? Mais quand vous parlez de l'armée, l'armée, ce n'est pas un corps autonome. L'armée, ce n'est pas un corps indépendant. L'armée dépend entièrement du système pour lequel il est en train de défendre. L'armée, c'est pour la défense du pays, de la nation. La police, c'est peut-être des personnes et leurs biens. Donc, s'ils sont dans un système aliéné, cette armée sera aliénée. Donc, il faut prendre le problème à la source, quelle gouvernance, et après qu'on va parler de quelle armée. Si la gouvernance est aliénée, ce n'est pas possible d'avoir une armée non alignée. Et justement, dans l'est de la RDC actuellement,
Il y a énormément de déstabilisation. Qu'est-ce qui fait que cette partie de la RDC est tant convoitée? Pourtant, le pays, il est énorme, il regorge de ressources. Vous avez même dit que c'était un grand malheur pour la RDC. Oui, il n'y a pas d'insécurité locale entre Congolais. L'insécurité, elle est produite. C'est une insécurité économique. C'est une insécurité des multinationales pour pouvoir exploiter à vil prix nos richesses. Ils créent des milices pour créer une distraction quelque part pour qu'ils envoient derrière, là où ils créent l'insécurité, les villageois, les habitants du coin se déplacent. Et derrière eux, ils exploitent les mines, ainsi de suite, ils les font traverser par la frontière. On a les malheurs d'avoir peut-être 9 frontières. Ça peut être un bonheur aussi d'influer sur 9 pays, mais dans ce cas-là, de cette guerre économique injuste que le Congo a, on n'a rien fait pour... ce n'est pas de notre faute. Qu'on ait la moitié du cobalt du monde entier, le cobalt qui est l'élément qui rentre dans les batteries de nos smartphones, les tablettes, les ordinateurs, les batteries des voitures électriques. C'est ça les enjeux que ces Occidentaux ne nous laissent pas tranquilles et comptent de ne pas nous laisser tranquilles. C'est une des raisons. Probablement, si on était plus panafricaniste, on allait pouvoir essayer de faire face à ces intrusions. Et instaurer un code minier pour ces multinationales fait partie un petit peu de l'idée panafricaniste ? Code minier radical. Oui, mais le code minier, quand on a essayé au Congo de corriger le code minier, qu'il était très lacunier, on commence à nous faire la guerre, plus par ces milices, on commence à nous traiter de non-respect pour les engagements. Non, on essaie de protéger nos pays, on essaie de protéger nos citoyens en ayant un échange équilibré entre ce qu'ils prennent et ce qui est payé. D'accord, c'est très gentil à vous. Merci beaucoup, Monsieur Lumumba, de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Well, that was quite an incisive interview with Roland Lumumba, the son of the late Patrice Lumumba. I'm sure you learned a lot from the interview. And that wraps it up for this week's edition of Africa Today. It's been great having you. And you can send us your comments through our social media handle appearing on the screen. From me, Mubarak Kenya, it's goodbye for now, and God bless you.